Bonjour à tous, aujourd'hui je mange pendant 24 heures comme un Irlandais. Bah, ça commence par un petit déjeuner, je sais pas ce que je vais prendre mais ça me fait peur. Du miel, des noix, de la banane et après c'est avec du lait d'amande je crois. Bon attends, je goûte. Ah oui, et j'ai demandé aussi du chocolat à côté. Ça a l'air incroyable. Parce que je suis gourmande. J'ai peur que t'as aimé. Ouais, c'est bon, ça manque de sucre. Ça, c'est un bon petit déj, tu vois. Avec le chocolat, c'est de la malle. Chocolat chaud, marshmallow. Ça aime pas mal. Oh, quelle horreur! Super chocolat. C'est grave bon. Vraiment, c'est grave. Bon bah c'était très bon. Franchement c'était... En fait les Irlandais sont hyper généreux sur les quantités je trouve. Ouais. On se retrouve juste après pour le midi. Et je sais pas comment je vais faire pour manger parce qu'honnêtement je pense que je suis calée mais pour la journée là. Lunch time. Le matin les Irlandais le mangent. Mais en fait, de ce qu'il m'a expliqué le mec, ils en mangent toute la journée. Ils peuvent manger ça au petit-déj, au lunch, enfin au midi, et même le soir. Donc du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre ça. Parce que c'est vraiment le Irish lunch, quoi. Irish breakfast, Irish lunch. Ça m'a l'air pas ouf. Franchement, ça a l'air pas ouf, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une galette de pommes de terre. Alors, il y a de la pomme de terre, œufs brouillés, des champignons, des flageolets, de la tomate. Il y a également des toasts avec... Tu sais qu'eux ils prennent des saucisses, du bacon, mais moi je suis pas hyper fan de tout ça, donc j'ai pris que... Enfin c'est végétarien en fait ce que j'ai pris, hein, au final. Tiens, je veux goûter. C'est incroyable. Superbe. Ouais, moi j'ai le seum. Je l'ai senti. Elle se bouffe un burger et moi je m'en chale. Ah c'est bon. Je me suis brouillée. Les mushrooms. Ça va. Le flageolet. Ah, super bon. Bon alors là, ils ont un petit goût. Attends, je prends tout. Je prends tout. Pommes de terre. Ça aussi, c'est des pommes de terre. Par contre, la tomate là, voilà, ghetto. Oh! Attends, elle est pas bonne. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Juste la tomate, elle est pas très bonne. Bonne à pas moi. Et dégustez bien votre burger. Moi, en vrai, j'aime bien mon plat. C'est juste la tomate, elle est pas ouf, tu vois. Ça change du burger. Il est incroyable. Je l'emmène en France. Je vais te pleurer. Moi aussi. Tu vois, c'est la meuf plus mignonne, tu sais. Ça, c'est le paradis. Et moi. Tu sais, c'est vraiment le pire challenge pour moi, là. Vraiment, je subis. Encore quand t'es seule, tu sais, tu fais un challenge, ça va, genre. Mais ça, c'est incroyable. La spécialité. Enfin, c'est pas leur spécialité, mais en vrai, les pays du Nord, à Londres... En fait, ça vient de l'Écosse, plus précisément. Un scone. Ça se mange, mais c'est pas ouf. En fait, je pense que ça se trempe dans du thé ou du café, tu sais. Ouais, c'est un petit pain. Genre, t'as du blé, de l'orge, de l'avoine et de la levure. Ça manque de confiture. Ça manque de tout, là. Vraiment, ça va. Mais c'est vrai que, genre, de la confiture ou du Nutella, ça passerait bien. Ils ont pas trop de dessert. Alors, je me suis dit que j'allais goûter ça en dessert. Bon, je finis ça. On se retrouve pour le goûter. Alors, peut-être que je vais trouver de l'Irish coffee. Hein. Si j'en trouve, je le prends.
Mais est-ce qu'on sent beaucoup le whisky, Mimo? Tu verras. Très bien. Il est 15h et je vais prendre un Irish coffee. Oh, il prend le whisky. Ah, oh, ça me dégoûte. Goûtons le Irish coffee. En gros, dedans, il y a quoi? Il y a café, whisky, crème. T'as pas goûté. Je te jure que j'ai goûté. La crème. Oh, c'est fort. Non, c'est fort. Oh, tu mens. Oh. Tu mens. Ah, mais moi, je te jure, ça dégoûte. Donne, je veux goûter. Non mais alors là, franchement, t'as rien pu, Mimo. Au bois plus. Meuf, ça a le goût de café, donc c'est dégueulasse. Non, et c'est tu faux. Sens que ça pique un peu parce qu'il y a du whisky. Franchement, c'est pas horrible. Rebois. C'est à quoi je m'attendais. Moi là, je... Désolée, le défi est peut-être perdu, mais je ne pourrais pas boire ça, ça me dégoûte. En fait, si t'aimes le whisky, je pense que ça passe, tu vois. Mais moi, j'aime vraiment pas le whisky, vraiment pas. Du coup, je vais lui dire que désolée, j'aime pas. Après, peut-être que tu dois en boire deux. Quoi? Deux? Genre, peut-être que lui, il est pas bien fait, je sais pas. Ah non, bah... c'est... Je crois que déjà, je sais même pas combien j'ai payé, il m'a même pas montré. Hein. Je sais pas. Franchement, maintenant, fais tout ce que tu veux. Tu mens. Ah, d'accord. Elle revomit. Non, vomit pas. Comment tu te sens? Mal. Non, ouais, ça va, mais c'est le café, moi, qui me dégoûte. Et le whisky, au calme, quoi. Bah, ça brûle un peu, mais ça. C'est pour ça, les gars, abonnez-vous. Non, mais juste pour ça. Bravo. Coup, là, j'ai un joker. J'aimerais bien prendre un goûter, mais ils goûtent pas ici, les gens, en fait. Mimo, elle est plus là. Regardez-la. Le café, je trouve ça dégueulasse. Il manque de sucre. J'aurais un petit peu plus de sucre à la rigueur. Bah allez, on se retrouve tout à l'heure pour la suite du challenge. Je t'avoue, je l'ai torpillé quoi. Alors j'ai plusieurs danses de l'abonné à faire. Aïssa Toukoun, Sylvie Bizeau, Neil, Audrey, Aya Fahada et Trina. La danse de l'abonné, elle est pour vous. Merci à tous de me suivre. Si vous voulez des danses de l'abonné, mettez-les-moi en commentaire. Et merci mille fois. Le beignet en question, il ressemble à ça. Oh, non, c'est incroyable. En fait, à l'intérieur, c'est du marshmallow. Non, mais j'aime trop. Mmh. J'ai une passion pour le chamallow. C'est quoi, du coup? Oh là là. Mmh. Et Sarah, elle mange sa crêpe au Nutella. 4 euros. Pas du tout déçu de ce goûter. Et franchement, c'est pas écœurant. D'habitude, les beignets comme ça, c'est grave écœurant. Mais là, pas du tout. J'aurais pu en manger un autre. Easy peasy, lemon squeezy. Thank you for watching this video. Bon, mes amis, grosse flemme de sortir ce soir. Oh là là, j'ai une dégaine. Franchement. Hello. Bonjour, hi. Medium? Yes. Are you French? No. Yes. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Courage, au revoir. Pourquoi tu ris? Non, c'est rien. Dis. Je peux pas te le dire. Pourquoi tu peux pas le dire? Parce que je parle à la caméra? Ah non. Nous avions la flemme de sortir. On va y arriver. Alors du coup, bref, j'ai commandé une spécialité irlandaise.
Et là, franchement, je peux vous dire. Alors, déjà, Mimo, elle m'a fait une leçon de morale. Hein. Ah ouais. Parce que honnêtement, moi j'ai un gros problème avec la viande. Je suis pas hyper fan de la viande, vraiment pas du tout même. J'en mange occasionnellement, voilà, pour des burgers et tout, mais sinon j'en mange pas. Et du coup, je lui ai dit, franchement, là je vais prendre un fish and chips. J'ai trop envie d'un fish and chips et tout. Mais le fish and chips, en vrai, c'est anglais. C'est pas irlandais. Elle me dit, écoute, il faut vraiment que tu prennes un truc où on s'attend pas que tu prennes ça, quoi. Ça s'appelle Braised Irish Beef and Guinness Pie. Donc apparemment, c'est vraiment une spécialité de l'Irlande, la Guinness Pie. Donc c'est avec de la bière, de la viande, etc. Oh, j'ai trop peur. Mais là, j'ose même pas ouvrir le truc, quoi. Bonjour. Attends. Oh, t'es là ! Mais t'es là ! Mais c'est quoi votre délire, là ? Ok, donc du coup Guinness Pie et je sais plus trop quoi. Oh my god, mais c'est quoi ? Ça va, ça, en vrai, ça a l'air pas mal. C'est juste les brocolis là, ça me. Moi j'adore les brocolis, j'aime bien. Là il y a un mood hachis parmentier un peu. Je pense que ça va être ça en non, fait. Non, mais c'est ça la paille. Ok, donc là déjà c'est de la patate avec du brocoli et du fromage. Bah c'est bon, c'est de la patate. Moi c'est ça. Moi j'ai peur. Attends, déjà là je goûte juste la sauce avec la patate. C'est bon. La Guinness Pie, en fait, c'est de la viande avec de la sauce à la bière, je crois. Mais comment tu veux que je coupe ça, en fait? Franchement, c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est grave bon. Franchement, le goût est super bon. Enfin, genre la sauce... Bœuf bourguignon. Bœuf bourguignon, voilà. Genre, grave pareil le goût. En fait, c'est comme si vous mangez un bœuf bourguignon avec un morceau de pâte. Enfin, un morceau de pâte par-dessus, quoi. C'est un miracle. Cette famille, on mange comme des porcs. Non, c'est bon. Je pense que tu dirais que ça manque un peu de sel, non? Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Ça vaut le prix que t'as payé. Ah oui, j'ai payé 17 euros tout ça. Bah, en vrai, ouais, je trouve. Ok, donc maintenant, Mimo, elle va goûter. Moi, quand je goûte, j'y vais. Exactement ce que vous pensez. Patate, brocoli. Pas de surprise. Vraiment, le plat typique, je pense, c'est ça, là. Ouais, je pense. La Guinness. Mais ça, pas mal, hein. Ça, c'est pas mal, hein. J'aime bien. Ouais. Ah, ouais, donc, je suis... J'ai un mastico, là. C'est un bœuf bourguignon. Que, en fait, quand tu regardes le truc, tu te dis ouais, non, ça va être pas bon, ça va être bizarre et tout. D'aspect, tu te dis c'est. Mais en vrai, c'est un bœuf bourguignon. Ouais, mais tu vois, je suis trop contente d'avoir goûté. Ouais, bah c'est, on. C'est vraiment bon en vrai. Ouais, c'est bon. Tu sais, de quoi demain je prends ça? Vraiment, s'il y en a un, genre. Qu'est-ce qu'il y a? Demain on filme, on verra. Ça va finir au McDo. Mais il y a un truc là. Arrête, c'est... arrête. Oh, mais il y a de la pomme. J'espère. Mais c'est quoi ce... Ah, c'est de la carotte. Mais c'est un bœuf bourguignon. Mimo, c'est de la carotte. Guinness Pie, oui, oui. Ouais. Mais c'est super bon. Voilà. Bah, je suis contente. Fin de ce 24 heures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pas un petit like. Abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Oh. que des belles aventures, en tout cas. Vous avez un petit truc à dire, les filles? Abonnez-vous. Parce qu'en vrai, ça coûte rien. Et ça aide beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais, de voir les abonnés monter de jour en jour et de voir que ça plaît, en fait. C'est ça le principal, si ça vous plaît, c'est le mieux. Et toujours donner des idées. Ah ouais, des idées, j'adore. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Love you.